Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien ce beau samedi, jour de Saturne, où on fait vraiment pas grand chose. Alors moi je fais rien du tout, même pas le ménage. J'ai pris la décision que le samedi je ne faisais rien, rien de chez rien. À part de temps en temps, exceptionnellement, lune descendante, oui on peut faire un rituel de protection, voilà. Donc voilà. Merci pour hier, pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages et vos abonnements. Merci d'être présent sur la chaîne Tout Azimut, c'est vraiment très agréable. Et tous ces échanges, par rapport aux échanges les amis, alors il y a des messages que je n'y suis pour rien, c'est Youyou qui les fait disparaître, mystère et boule de gomme. Et il y a des messages, c'est moi qui les enlève quand c'est trop compromettant. C'est pas que je suis contre ce que vous dites, c'est que la majorité du temps, ça peut compromettre la chaîne et ça sera un peu ridicule de passer à l'as pour ça. Alors, nous allons faire une vidéo concernant top secret crime. Alors, on va faire une enquête, bien évidemment, c'est une enquête qui m'a été demandée concernant un médecin. Un médecin qui pensait aux médecines parallèles, notamment, qui était contre le fistisme. J'avais prévenu il y a quelques mois en arrière, si vous vous souvenez les amis, qu'il y aurait beaucoup de personnalités qui s'étaient engagées dans ce sens-là, qui perdraient la vie tout simplement, et ben c'est ce qui s'est passé, mais c'est pas fini, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, il s'agit de Olivier Soulier. Donc j'emploierai pas tout le temps son nom, il est mort dans la nuit du 28 au 29 juin 2023, suite à un rituel ou une cérémonie chamanique. On a dit qu'il avait eu une crise cardiaque alors que celui-ci avait combattu avec les plus grands contre la potion, contre toutes ces choses-là. Oui, je sais, le monde des lobbies, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, alors, comme je ne sais pas du tout ce qui va se passer, je ne sais pas du tout jusqu'où on va aller, je vous l'avoue sincèrement, et je sais par contre que les énergies vont être denses lors de ce tirage. Donc, en finalité, alors à ce moment-là, je vous dis, moi je ferme toutes les fenêtres, d'accord, et je fais un petit charbon, ben, vous voyez un petit charbon ce que c'est, que je ferai après, et bon, avec ma bougie témoin comme toujours, et je prendrai de la poudre Vesta. La poudre de Vesta, c'est purification et contre-sort. Voilà, donc Vesta c'est une déesse pour la déesse de la terre mais aussi déesse du feu sacré. Donc je ferai un nettoyage complet de mon occultum parce qu'il vaudra mieux, je le pense. Vous voyez, j'ai ma petite lampe, je vous ai tout montré. Tout ça vous le trouverez à la coupe des fées. Comme vous voyez bien, ça vient bien de la coupe des fées. Donc je mets tout ça sur le côté et on le prend en finalité. J'arrêterai la vidéo et Kai, je laisse opérer pendant plus de 2 heures, 2 heures et demie. Voilà, je ne reviens pas dans mon occultum pour tout nettoyer et après j'ouvre grand les fenêtres. Voilà, vous le savez tout. En Léon Zygma, alors j'ai pris le Paulusson parce que c'est avec celui-ci que j'ai le plus d'informations. Et on va poser la question, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alors, est-ce que... Alors, vous savez, quand je fais mes vignettes et tout ça, les vignettes, c'est les petites images avant. Je ne sais jamais ce qu'il faut marquer. C'est dans ma méditation qu'on me dit, tu marques ça. Donc, j'ai marqué crime et j'ai marqué tout ça. Je me laisse guider, hein. Donc, j'ai pris le tarot, bien évidemment, le Paul Gustave, parce que pour moi, c'est un indice de protection. Et il va falloir vraiment que je me protège parce que, voilà, ça fait partie des choses importantes. Alors, voilà, donc, concernant, donc, Olivier, Soulier, décédé dans la nuit du 28 au 29 juin 2023. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Alors, pour éviter des problèmes, je n'ai pas marqué son nom en titre. Vous comprendrez bien pourquoi il faut aussi, moi, que je me protège là-dedans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? Il est mort, il avait 67 ans. Il a une chaîne YouTube, hein, toujours. Vous pouvez aller voir. D'accord? Il adorait tout ce qui était acupuncture. Enfin, il était acupuncteur, d'ailleurs, hein, ce monsieur. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Par rapport à maintenant, je mélange les cartes majeures, les cartes mineures, mais ça, c'est toujours mon rituel à moi.
Après, chacun le fait à sa façon, hein, voilà. Alors, concernant la poudre Vesta ici, dans la communauté, je vous ai mis une petite vidéo où Sébastien de la Coupe des Fées vous explique sa façon à lui d'utiliser la Vesta, la poudre. Hein. Moi, j'ai une autre méthode, mais les deux conviennent. Hein. Enfin, moi, j'ai ma méthode à moi. Après, il vous en montre une pour vous. Hein. Mais les deux sont efficaces. Bien sûr, ça vous... Dans vos travaux, à savoir comment vous allez faire. Alors, dites-moi concernant... Oh là là, ben dis donc, ça veut parler, hein. Dites-moi concernant ce monsieur Olivier, hein. Olivier Soulier, je voulais mettre un soulier, puis je trouvais ça un peu pas très respectueux, donc je ne l'ai pas fait. Voilà, on ne peut pas appeler ça un cold case encore, mais soi-disant, bon... On a parlé de crise cardiaque, voilà. Par rapport à une plante hallucinogène, je sais qu'il a été beaucoup, on l'a traité d'anti-vax. On a dit beaucoup de mauvaises choses, ben, comme tous ceux qui ont râlé par rapport à la potion. Au fait, information que vous devez absolument savoir, aux États-Unis, ils viennent d'arrêter énormément de gens concernant trafic, organes, concernant tomber par rapport à des enfants. Voilà, je l'ai appris. Donc voilà. Et concernant l'Inde aussi, ils ont menacé Suisse. Si vous voulez revenir, qu'ils étaient, parce qu'ils ont redemandé à récupérer leur argent, Suisse. Donc, plutôt que d'avoir une procédure, ils ont laissé tomber. Vous comprenez? D'accord? Donc, tout est en train de sortir. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'affoler. Les amis, vous savez, quand je vous dis que, par exemple, pour 2024, ça va être chaud, bien sûr, ça va être chaud patate, mais ce que je vous avais dit entre le Moyen-Âge et la Renaissance, c'était bien la même chose. Eh bien, je vous ai dit la même chose. Donc, on va vivre des temps de perturbation, mais c'est à vous de faire attention. Oui, entre communautés, j'ai pas arrêté de vous le dire, ça va être costaud, mais les franchouillards vont à un moment donné prendre... Alors, tout ce que vous a dit Bricaton, ben, vous n'en tenez pas compte, de toute façon, c'est toujours pareil, ça ne changera pas, et à partir de septembre, il va encore prendre, je peux vous le dire, hein, il va prendre des décisions encore plus nulles que jamais, d'accord? Donc, si vous voulez, ça va... C'est pour ça que les gens n'écoutent même plus, il en est même ridicule au niveau des journalistes, voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire ici? Donc, ce monsieur est bien décédé, donc là, ça me le dit clairement, il y a bien donc il y a une communication par rapport à ça, son fin de cycle, enfin sa vie, hein, si vous voulez, terrestre, la vie qu'il a eue là, l'esprit qu'il a eu sur Terre, je ne parle pas de son âme. Il y a bien eu quelque chose, alors là on me parle d'association, il y a quelqu'un qui est intervenu, là d'entrée jeu, ben voilà, je l'ai tout de suite, je peux vous le dire, quelqu'un intervenu, dans son départ, qui était quelqu'un sur place, ça me parle d'une personne, pas de deux, il y a une personne qui était sur place, qui était payée par un groupe de personnes financières, ben... Vous voyez, ça manque pas, c'est pour ça que j'adore ce jeu. Là, il y a, qu'est-ce qu'il y a? Ah, alors je peux vous dire, c'était un groupe de lobe.bi que l'on retrouve à la peste aux étoiles dans le domaine des labs.bo, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Des labs.bo, et c'est bien au niveau de la peste aux étoiles, et ils veulent, alors je dirais à tous ces gens, je vous avais prévenu, hein, mais à tous ces gens qui ont fait, vous savez, ces films, voilà, donc qui ont porté témoignage et compagnie, soyez quand même très très prudents. Je pense à une dame qui était députée, je pense à une dame qui vient de faire un livre, voilà, Les Apprentis Sorciers, c'est pas ça, un truc comme ça, voilà, donc je dis faites attention quand même. Parce qu'ils n'ont pas fini leur délire machiavélique. Donc, je peux vous dire, ça y est, d'entrée de jeu, je peux vous dire qu'il a bien été... on ne lui a pas fait de cadeau, et pour moi, ce n'est pas naturel du tout. D'accord? Mais il y avait au moins une personne, je dis bien pour l'instant, je vois une personne à côté de lui qui a provoqué la chose lors de ce rituel ou cette cérémonie, appelez-la comme vous voulez, chamanique.
Et là, je peux vous annoncer qu'on a mis quelque chose qui n'était pas clair, puisque je vois dans une inhalation comme une herbe que l'on brûle ou quelque chose comme ça, parce que moi, voilà, une herbe ou un champignon ou ce que vous voulez, il y a quelque chose que, si vous voulez, c'était pas tendre. Moi, je vois du liquide aussi. D'accord? Donc, quelque chose qui n'était pas tendre et on a mis quelque chose pour le faire partir et déclencher une crise cardiaque. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? La fin d'un contrat. Ouais, ben écoutez les enfants, je suis en train de vous dire quelque chose. Là, c'est bien au niveau de la paix aux étoiles, tout va mal hein, pour l'Ursulette, de toute façon. Je vais dire, le point charnière, si vous voulez, pour moi, c'est le mois d'août. D'accord? Le point charnière de leur apogée, si vous voulez, c'est là. Et à partir du mois d'août, les énergies changent. De toute façon, elles basculent pour eux. Donc là, on me parle bien de finalité, mais attention à d'autres personnes, qui pourraient avoir la même destinée. D'accord? Donc soyez prudents. Soyez très très prudents de qui est véritablement vos amis. On ne sait jamais, puisque je vois des gens être payés pour aussi faire la même chose sur des gens connus. Des cercles de pouvoir, mais c'est quelque chose de chaque. Non, on me dit, non, non, c'est pas cercle de pouvoir, si vous voulez. C'est de l'argent qui est donné, mais l'ordre a bien été donné de la peste aux étoiles, au niveau de la peste aux étoiles. Alors, je dis pas d'Ursulette, mais tout au moins des lobes pointillés qui étaient autour. D'accord? Donc, on essaiera après, je ferai les choses autrement. Enfin, on va aller voir après. D'accord. Donc il y a bien eu, donc il y a eu un arrêt direct. Hein. Là, je peux vous le dire. Là, c'est bien au niveau du cœur que ça me parle. Un changement brutal qui a bien été déclenché par un ennemi, d'accord, proche, un ennemi proche qui a été payé. C'est vraiment l'ennemi. Donc pour le faire partir. Pour le faire partir ce brave monsieur et l'autre personne. Alors, j'ai du mal à encore à voir si c'est un homme ou une femme, mais pourtant, j'ai la sensation que c'est une femme. C'est une femme qui a déclenché le tir. Voilà, il me semble. D'accord? Donc, mais ça n'apparaît pas là, mais je sens la féminité derrière. Donc là, ça me dit clairement que ça vient été payé. On a payé la personne avec des royalties pour exécuter un contrat. Le contrat ne sera pas dénoncé et on ne le saura pas. D'accord? On est bien clair. On ne le saura pas officiellement. Pour moi, il n'y aura pas une enquête comme on pourrait une enquête ou quoi que ce soit. Je ne le vois pas. Bon, alors je vous confirme que c'était bien. Alors, c'était une femme qui. J'ai une femme autour de lui. J'ai une femme autour de lui qui avait des intérêts financiers, ben, qui avait des intérêts et qui s'est fait passer aussi en disant, parce qu'on l'a accusé, ce brave homme, d'être sectaire, on l'a accusé. Vous savez, quand vous pensez d'une certaine façon, c'est sûr que ça ne plaît pas à certaines personnes au niveau du pognon, c'est sûr que voilà. Donc là, ouais, ça me dit bien que la personne a été achetée. Voilà, ça me parle d'une femme. Hein. D'accord, je vous le dis là, ça me parle vraiment d'une femme qui était autour, en sous-main, et qui a exécuté les choses. Donc pour moi, j'ai bien une espèce de potion, comme dans une petite fiole ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas dans un encens, il a dû boire quelque chose, parce que j'ai tout de suite la notion de comme je sais pas, un bol ou quelque chose comme ça, vous voyez, quelque chose de petit, mais un bol. Où il a bu et pensant que c'était ce qu'il pensait, mais ça ne l'était pas. Inaction de qui? Bon, il n'y aura aucune justice de fait par rapport à ça. On est bien clair sur le sujet. Le concernant qui est disparu, bon, c'est une histoire de frappadingue, mais on ne le saura jamais. D'accord? Donc, ce que je vous annonce là, habituellement, ça arrive qu'on ait, par rapport à certains journaleux ou autres, des échos, mais là, on n'en aura pas. D'accord? Donc jamais on ne saura véritablement la vérité. Mais pour moi, il a été exécuté. J'ai toujours une femme autour. La rupture, elle était là. Donc toute sa vie a été bien mise en l'air.
dans une communication, non-communication par rapport à cette situation. Donc je confirme, il y avait bien à la fois, alors là, le manque de la peste aux étoiles, mais aussi Bricaton. D'accord? Bricaton était derrière aussi. Et là, ça m'annonce la mort, bien sûr, l'annoncer par une mort brutale, mais par quelqu'un qui l'a provoqué. On est bien clair sur le sujet? C'est quelqu'un qui l'a provoqué, mais c'est pas une mort naturelle, puisque je ressors à nouveau. Là, attendez, elle est où elle? Ben elle est là, il y en a une qui est là, donc on voit bien le gouvernement, je la retrouve par ma carte. Mais si vous voulez, c'est clair que là, on a tous les artifices pour dire il s'est fait bidonner par la peste aux étoiles et par le Bricaton, puisque là, on m'annonce rupture commandée. Une rupture, une finalité, vous voyez, une rupture commandée par une association en sous-main, enfin cachée, et qui était ordonnée par le Bricaton et la peste aux étoiles. Ensuite, donc c'était bien pour des raisons professionnelles, on a tenté apparemment de l'acheter, alors seuls ses proches pourraient le dire. Apparemment, on a tenté de lui donner, de lui faire avoir de l'argent, d'accord? Mais apparemment, il aurait refusé, refusé cette chose. Donc, la décision a été prise par les lobes .bi de mettre fin à son... Parce qu'il avait des idées. Alors, volontairement, je ne vais pas trop voir, je préfère. Il devait avoir une idée de fonder quelque chose, une association ou quelque chose par rapport à ces médecines dites parallèles, d'accord, et qui faisait que toute la structure qu'il a mis en place, parce qu'apparemment il connaissait beaucoup de monde, il connaissait, enfin il voulait mettre en place un nouveau système Medi.cal, d'accord, donc pour créer autre chose, pour moi de beaucoup plus comme des centres, voilà, donc évidemment tout ce qui est lab.bi, les labos, ça ne leur a pas fait plaisir. Mais écoutez ce que je suis en train de vous dire, l'au-delà est en train de prendre les choses en main, croyez-moi. Croyez-moi, ne désespérez pas. Alors l'année prochaine, bien sûr, ça va être chaotique, d'accord, comme je vous ai dit, avec les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent ici pour nous enquêter quelque part, ça va partir vraiment, vraiment à la maillotche. Encore une jeune fille avant-hier, voilà, dans la rue, qui s'est fait défigurer à Toulouse. Tout ça parce que sa tenue ne convenait pas à ces gens. Voilà. Alors, ici, donc, non réussite. Donc, il avait un projet. Apparemment, il avait un autre projet. Donc là, ça veut dire, on me parle d'association, mais quelque chose encore de plus important qui voulait mettre à mal de ses lobes.bi. Donc, il avait un véritable projet et il recherchait des finances, inaction, qu'il n'a pas trouvé. Alors, ça me parle de la Suisse. Alors, pourquoi ça me parle de la Suisse? J'en sais rien du tout. Il a tenté sans doute de rencontrer quelqu'un là-bas ou d'avoir affaire à des gens un peu plus fortunés, mais ça n'a pas fonctionné. Et là, il a refusé par contre d'autres labs.bo, contenté de l'acheter, et il a refusé. Au moins, ben voilà. Mais enfin, voilà. Donc c'est bien lui. Là, il y a eu pardon. Là, il y a bien eu une prise de décision en ce qui les concerne, par rapport à, avec un projet de s'en débarrasser, puisque ce Sanoni-là, hein, de se débarrasser d'Olivier. Je ne sais pas s'il avait des enfants ou non. C'est assez non, ça me parle de, enfin, ça me parle plus de succession par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il voulait mettre en place. Et oula, ça me parle d'un traître. Un traître d'une personne avec qui il a fait des émissions YouTube. Et ça me parle d'un traître. Oula, je vois. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire parce que ça mettrait à mal. Qui se prétendait son ami mais qui ne l'était pas du tout et qui joue les faux popotins, les faux derches si vous voulez, d'accord? Actuellement, qui se prétend mais qui n'est pas du tout. Il y a actuellement sur YouTube, hein, je pense à toi, mais les bellunes, mais tu vois ce que je veux dire.
Mais c'est pas le seul, puisqu'on a eu cette conversation par rapport à une personne. Voilà, donc là, c'est vraiment clair, prise de décision. Non, ils veulent se poser la question. Non, ils ont pris la décision, si vous voulez, vraiment pour s'en débarrasser. Mais derrière, je vois des faux amis. Comment on appelle ça? Une opposition contrôlée. Est-ce que ça vous parle? Voilà. Pour moi, autour, il y avait une opposition contrôlée qui est toujours présente sur YouTube. Je vois deux personnes, une que je savais déjà, là que je viens de découvrir. D'accord? C'est malheureux parce qu'on a des flashs comme ça, puis on a l'image et le nom de la personne. Alors après, c'est compliqué à gérer. Donc pour moi, tous ces projets, pour l'instant, sont à l'arrêt. Enfin, tous les projets qu'ils voulaient mettre en place. Tous les gens ont été tétanisés. Je sais qu'autour il y a des tas de gens de son entourage qui sont en train d'écouter cette vidéo. Donc toutes mes condoléances, hein, à sa famille et à tout le monde. Mais je dirais qu'il y aura une inaction, les gens, non. Les choses vont. Comment vous expliquer? Ce qu'il prônait, je le comprends tout à fait, parce que moi je vais dans son sens, ce monsieur Olivier, hein. Tout ce qu'il voulait faire par rapport aux médecines parallèles, ça me parle bien sûr à titre personnel. De toute façon, concernant ces labs Poimbo, vont avoir de sérieux problèmes les uns contre les autres. Il va y avoir des révolutions technologiques qui vont être bonnes pour nous, c'est une certitude. Mais il va falloir discerner, c'est ce que je vous explique, hein, depuis le départ. Et là, il y aura une rupture par rapport à ces mondes des labs. Et vous-même, on le sait que par exemple, on le dit aujourd'hui, je crois que ce monsieur Olivier prenait l'amour, hein, l'amour avec un grand A. Il est vrai qu'on le sait, quand on est amoureux de quelqu'un, homme ou femme, on sait très bien qu'on est bien dans sa vie, on est bien dans sa coquille, et automatiquement, on a moins de problèmes, dits de cardiovasculaires ou des trucs comme ça. On se sent beaucoup mieux, on est beaucoup plus, apaisé. Donc, ce sont toutes des médecines de toute façon qui arriveront. Le monde asiatique l'a compris depuis longtemps. Bon, moi, je suis maître Reiki en parallèle, j'ai mis mes techniques au point et qui fonctionnent vraiment, je crois beaucoup pour moi. Enfin, j'ai mes techniques, bon, j'en avais parlé, mais qui sont très efficaces à mon sens et qui fait qu'on peut retourner, comment vous dirais-je? On peut non seulement ralentir le temps, mais on peut aussi revenir en arrière. D'accord? Sur le plan de la sans pointer, avec d'autres techniques. Alors, ici, donc, il y a bien un monde global, ça nous annonce, ben tiens, il est en train de nous le dire, donc il est en train de dire, ben tout ce monde est là, point beau, des là, point bi, ils sont appelés à avoir des gros problèmes en devenir, parce qu'il y aura une colère de la populace. Là, c'est un message qu'il est en train de vous donner, les amis. Il va y avoir une colère de la population sur le plan mondial. Alors, quand une de nos amies me disait hier, Chris, est-ce que ce sera que chez nous ou de partout? Eh bien, vous l'avez, c'est de partout. D'accord? Il y a une colère de la population dans le monde entier contre cela, point gros, parce qu'il y a beaucoup de choses dont vous n'entendrez pas. Je vous encourage à aller sur les réseaux. Au moins, vous verrez des tas de choses et il y aura le triomphe de la population. En vue, parce que leur projet au pluriel deviendront caduques. D'accord? Donc, si vous voulez, pour moi, il n'est pas mort pour rien. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Pour moi, ça va laisser des traces. Je pense qu'il serait bien qu'autour de vous, vous parliez de ce monsieur, vous échangiez sur le sujet. Olivier, point, point, soulier. D'accord? Comme un soulier, hein? D'accord? Vous allez voir ses vidéos, de quoi il parlait, et vous verrez, mais son visage, vous verrez, quand j'ai vu son visage, j'ai dit, ah oui, ça y est, je vois qui c'est. Au niveau, ben là, je vais dire que tout leur système va capoter. C'est pour ça que je dis, en finalité, oui, alors j'ai pas dit que ça serait tendre et que ça serait facile, mais voyez bien, tout leur système va capoter, de toute façon, leur système diabolique. Là, je vous encourage à aller voir. Alors, je dirais pas si c'est 34 ou 37 personnes qui ont été arrêtées par le FBI pour des raisons de trafic, point d'or, point GAN.
sur des enfants, vous comprenez? Donc, allez voir par vous-même. Allez voir par vous-même. Et il y a aussi en Inde, notamment, qui a menacé fils-fils et qui ont gagné. D'ailleurs, je remercie tous nos amis qui m'envoient des mails en m'informant de certaines situations. Vraiment, vous êtes topissime. Hein. Vraiment, c'est adorable. Donc, ici, il y a quelque chose. Ben, tout leur système est en ruine, mais là, il y aura des problèmes judiciaires et juridiques. Hein. D'accord? Mais que ce soit au monde du bidon, alors chez nous, ce sera un petit peu plus difficile. D'ailleurs, Agnès a fait un joli tirage, c'est hier ou hier. Elle est en Italie avec sa maman. Et justement, elle disait que les informations là-bas n'étaient pas du tout les mêmes que chez nous. D'accord? Bien sûr, mais ça, j'avais remarqué. En Belgique, c'était la même chose. On parlait à l'époque, alors je vous parle de vieux, mais l'affaire Doutreau, par exemple, on en parlait beaucoup en Belgique et en France, on n'en parlait même pas. D'accord? Pas l'affaire Doutreau, l'affaire Dutroux. D'accord? À l'époque. Et alors que voilà. Donc, on va poser la question, est-ce que ce monsieur, d'accord, est-ce que Olivier se sent bien maintenant? D'accord, on va juste poser, on va pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai juste envie de savoir s'il est bien, tout simplement. Est-ce qu'il est bien aujourd'hui? Mets ça ici. Est-ce qu'il est bien aujourd'hui? Est-ce qu'Olivier est bien aujourd'hui? Bon, il y a eu changement. D'accord. Alors, il n'est pas encore bien et ça me dit simplement il y a un changement. Bon, il est en phase de changement, c'est sûr. Beaucoup de doutes par rapport à tout ce qui s'est passé, mais il y aura la lumière au bout. Donc, pour moi, c'est il faut le temps au temps. D'accord? Il y a une de ses proches, femme, qui a touché beaucoup d'argent, mais ça, on vient d'en parler. Certitude sous retard. D'accord? Donc, je peux vous affirmer autre chose, c'est que la personne qui a mis la fiole dans ce petit bol, je vous dirais qu'elle finira mal et beaucoup plus rapidement qu'elle ne peut vraiment. Et pour moi, il sera après dans une autre étape, pour l'instant en difficulté, mais il y aura un triomphe sous retard. Donc, quand les choses. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je ne veux pas aller plus loin parce que. Voilà. D'accord, ça. Après, c'est une autre histoire. Hein? Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer les amis. Youp. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, regardez parce qu'ils sont assez denses. Et moi, il faut que je me protège là. Sérieusement. Donc, si vous voulez savoir si il est mort naturellement, pas du tout. Pas du tout. Donc, je demande à tous les gens qui ont œuvré avec lui d'être excessivement prudent. Voilà, donc je prends mon petit charbon, vous voyez comment je fais. Attendez, parce qu'il faut que je vous montre, il faut que vous voyez par vous-même. Bon, parce que voilà. Voilà. Voyez, alors vous prenez toujours une pince, tout ça. Si vous n'en avez pas, vous achetez à la coupe des fées, hein, vous verrez. Alors, son soir est toujours un peu comme ça, j'ai jamais nettoyé, si vous voulez, il date depuis Mathusalem. D'ailleurs, celui-là, il vient de la coupe des fées aussi, il y a longtemps. Et voilà, je laisse faire les choses. Voilà. Hop. Vous voyez, ça commence à fatiguer. Donc, c'est bon signe. Je vais arrêter la clim en haut. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de clim pendant ce temps. Voilà. Donc, ici, je vais le mettre là. Voilà. Donc, je le mets sur. Voyez-vous? Donc, ça, je vais le mettre à côté. Et. J'espère qu'il a marché celui-là, sinon je suis obligée d'en prendre un autre. Vous voyez comment ça fait? D'accord? Donc il en faut pas mal. Voilà, et je vais bien.
Alors, c'est hyper puissant, hein, je vous le dis tout de suite. Au moins, vous le savez. Voilà. Et on va laisser faire les choses. Voilà, les amis, on se retrouve demain pour d'autres aventures. Bye bye, bisous.